Mercredi. Un bête cutter. On prétend que c'est avec ça qu'ils ont menacé les passagers des avions. Vous y croyez vraiment, vous ? Que s'est-il réellement passé ? C'est le même pouvoir impérialiste américain qui a planifié cette terrible attaque terroriste. C'est dément. Nous aurait-on menti ? C'est un engin explosif qui aurait été posé dans la tour. Des explosifs inconnus du grand public. Des journalistes de l'Internet. Une sorte de contre-pouvoir. Mènent l'enquête. Est-ce que ce n'est pas la télévision qui a lancé Bin Laden ? Découvrez la vérité sur la Une. Ce mercredi. Question à la Une est à New York pour vous révéler qui manipule qui sur les causes de l'attentat du World Trade Center. Le sport dans tous ses états avec Etias et l'association Wallonie-Bruxelles de basketball. Etias. Madame, monsieur, bonsoir, bienvenue dans un basketteur spécial consacré à notre équipe nationale. Vous le savez, les Lions sont pour l'instant engagés dans la phase qualificative pour le prochain championnat d'Europe. On va vous proposer trois résumés des trois matchs présents ici en Belgique, avec Belgique-Turquie, c'est ce soir, Belgique-Ukraine, mercredi, et puis samedi prochain, Tony Parker sera présent avec la France pour Belgique-France. Ce soir, donc, Belgique-Turquie. La Turquie, une grosse nation européenne qui a remporté son premier match, tandis que les Belges ont été battus en France. Belgique-Turquie, le résumé, c'est tout de suite. On y va. Pratiquement 4 minutes dans ce premier quart-temps. Toujours pas de points belges. Les Belges privés, vous le savez, de pions très importants. Van den Spiegel, qui n'est plus trop intéressé par des apparitions sous la vareuse tricolore. Et puis il y a Mbenga qui cherche un contrat du côté de la NBA. Et Axel Hervel qui est blessé, mais qui est là pour soutenir les Lions ce soir. Sachez aussi qu'il y a eu une autre rencontre. Et la France a été battue par l'Ukraine cet après-midi. Ce qui signifie qu'on est à une victoire pour l'Ukraine, une victoire pour la Turquie, une victoire pour la France. Les Turcs, donc, en 4 victoires, pourraient s'isoler provisoirement. Match très important et les Belges pourraient recoller complètement à tout ce monde. Attention à cette tentative et le bon rebond de Beguin. Van Rossum. Toujours ce score de 2-0. Loers vers Beguin. Beguin avec enfin les premiers points belges. Signé Yannick Driessen. Hatsour qui va à l'anneau. Et là il y a 2 points et le bonus pour lui. 4-2 pour la Turquie. Van der Jonkheid. Pas mal trouvé Driessen. Et finalement, il y avait Beguin qui était là. Beguin. Oh, que c'est bien fait ça. Ah, on s'est bien trouvé à l'intérieur. Avec Yannick Driessen qui joue à Madrid, pas au Real. Mais à l'Estudiantes de Madrid, garçon qui n'a pas énormément de temps de jeu dans son club, pas assez dirait-on. Belle promesse aussi du basket belge. Et là le ballon qui va revenir aux Lions. Avec pratiquement ce qui sera la dernière possession de ce premier quart-temps. Pas très rythmé jusqu'à présent. 13-15, léger avantage turc pour l'instant. On est allé chercher Beguin, on est au bout de la possession, c'est Underbuzzer. Mais il n'est pas accordé celui-là. On en reste donc là. On a repris le jeu depuis 2 minutes dans le deuxième quart-temps. Pas encore 2 points inscrits. On n'est décidément pas très prolifique pour l'instant dans ce match. Et toujours peu de rythme et peu d'ambiance dans ce Spirou Dome. Ça va ça. On a tenté le jeu intérieur du côté turc, ça n'a pas fonctionné, tabou. Bonne transition, Morse, ah joli. Et 15 de partout. Arslan. Yasova, ah oui, joliment fait, 3 points. Pas énormément de réussite pour l'instant, ni d'un côté ni de l'autre, dans les shots à distance. Celui-là était joli. Ah oui, bien fait de la part de Thune Seri qui tente le 2 points. Mais il est manqué, Bosco pour repartir. Van Rossum. Et on hésite un petit peu sur les prises de responsabilité dans les shots côté belge.
Bosco. On cherche beaucoup la solution. Elle ne vient pas toujours. Cette fois, elle est arrivée. Avec Bela, le capitaine d'Ostende. 18-21. Et Bosco, qui lui aussi rejoindra et a rejoint Ostende pour la saison qui vient. 3 minutes 23 encore dans ce deuxième quart-temps. Rencontre qui continue d'être serrée, à défaut d'être un peu passionnante. Voici Bosco. Ah oui, excellent pour trouver Beguin. Ah oui, il est en forme, Christophe Beguin. Bosco. Ouh, la transition n'a pas fonctionné là-bas avec Van Rossum. De l'autre côté, on a joué ça collectivement. Arslam et 3 points. Très bien fait de la part des Turcs. 1 minute 35 encore avant la pause. Van Rossum pour Ovenek. Ouh, il n'a pas su embarquer ce ballon. Se l'est fait souffler là, Ovenek. Arslam avec Bosco. Turkoglu. 3 points. Ah là, il y a eu un bon passage de la part des Turcs. Qui, mine de rien, eh bien, viennent de creuser en très peu de temps un écart de 10 points. 23-33. À une grosse minute de la pause. Ovenek. Et toujours ses difficultés pour trouver des solutions offensives côté belge. Bosco, voilà. Ça, c'est simple, c'est bien, c'est efficace et c'est 2 points. Sam Van Rossum. 30 secondes encore. Avant la fin du deuxième quart-temps. Beguin. Van Rossum. Bosco. Van Rossum qui prend le shot à 3 points, et bien voilà. Je crois véritablement que c'est là que se situe la solution côté belge. Il faut arrêter de tergiverser, il faut prendre les shots, il faut prendre ses responsabilités dans cette rencontre. 28-33, 5 secondes encore, le 3 points, ouh là là, il est superbe. Arslam, pratiquement deux buzzers, c'est terminé. Et 28-36 à la pause. Écart en faveur de la Turquie. Christophe Beguin. Beguin. Ouais, 2 points, un petit bonus. Ah, ils ont peut-être trouvé la solution, les Belges, dans cette rencontre. Turkoglu. Ce ballon qui ressort et 3 points. Joliment fait, Ilyasova. 33-40. Tabou. Avec Beguin, de nouveau. Ah, il avait la possibilité de conclure, là, Beguin. Finalement, on est chez Van Rossum avec 3 points. 3 possessions qui amènent des points. Ça n'est pas arrivé souvent dans cette rencontre. Tant mieux pour le spectacle. Une série avec Van Rossum. Ah oui, il a fait le petit décalage. Il est très fort sur ses dribbles, ses changements de position, ce garçon. Même si là, il n'a pas pu conclure. Van Rossum, il va y aller. Il va y aller, Sam. Ouais. 2 points et bonus. Ah, il y a une toute bonne période belge là pour l'instant. On leur a remonté les bretelles dans le vestiaire, ça c'est indéniable. 38-40, ils sont revenus à 2 points nos Lions. Gunlum. Ça va, bonne passe à l'intérieur. Ah oui, c'est bien fait là-bas. Avec la concrétisation pour Arslam. 40-42 en faveur des Turcs. Van Rossum. Et c'est ici qu'il faut montrer que la Belgique est complètement revenue dans ce match. En égalisant tout de suite au bout de cette possession. Avec la tentative. Et ouais, et il faut mieux que ça les Belges. C'est un 3 points pour Driessen. 43-42. Bosco. 24 secondes encore avant la fin du troisième quart-temps. Et il faut confirmer la bonne présence belge dans ce quart-ci. Mours, il faut aller chercher quelque chose au bout de cette possession. 4 secondes, il doit prendre le shot. Roule. Et oui, magnifique de la part de Roule Mours. 49-51. 6 secondes avant la fin du troisième quart. Arslam qui tente le 3 points. Ouh là 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 là. Il est efficace, il est important. Car il permet aux Turcs de conserver 5 points d'avance avant le dernier carton. 49-54. Turkoglu. On va y aller seul.
Et voilà 3 points. Ah oui, on a laissé un petit peu d'espace à l'ami Gonloum qui est venu planter ce 3 points qui fait mal en ce début de 4e quart. Kaya. De nouveau Kaya qui apporte beaucoup de vivacité dans ce jeu. Turc, on ne l'a pas encore beaucoup vu en termes de temps de jeu. Kaya, le joueur de Galatasaray. Kencheri, et oui, là la porte était complètement ouverte dans la défense belge. Turkoglu, c'est manqué, c'était trop court ce shot. Van der Jonkheid. Oula, on a frôlé l'interception côté turc, tabou. Van der Jonkheid à 3 points, oui, ça entre, 56-66. Un peu plus de 3 minutes. Thierry. Arslam. Ça est arrivé avec beaucoup de réussite cette passe-là, mais ça arrive. Van Rossum à la lutte. C'était ouvert dans la défense. Turkoglu. Arslam. Ah oui, c'est beau, c'est beau, c'est très beau ce qu'ils proposent là, les Turcs pour l'instant. Turkoglu qui attend. Qui va finalement prendre le 3 points. Et tabou pour récupérer cela. Verbosco dans un fauteuil. Et ça entre. 3 points pour la Belgique. 59-72. Tout de suite, Gonloum de l'autre côté. 2 points. Il y aura un bonus aussi. Turkoglu. Dernière possession. Ou presque de cette rencontre. Avec de nouveau une très bonne passe et des points supplémentaires pour Ilyasova. Meilleur marqueur ce soir, 21 points. La Belgique qui aura montré de belles choses, notamment, vous l'avez vu, dans le troisième quart. Mais qui, par moment, aura été vraiment dominé par son adversaire. Voilà, c'est terminé. Score final, 63-78. La Turquie est donc en tête du groupe. Et pour la Belgique, il faudra attendre la suite du parcours. Mais ce n'est pas très bien engagé. Victoire de la Turquie face à la Belgique.